tu vois. Ah bah oui, ça je veux bien te croire, bébé. J'ai reçu un appel de ta maîtresse. Elle m'a informé que tu t'es battu avec un de tes camarades. Je veux bien m'expliquer ce qui s'est passé. Quoi? Donc tu veux me dire que tu t'es battu avec lui parce qu'il a volé ton cahier? Et pourquoi tu ne l'as pas dit à la maîtresse? Elle n'était pas là. D'accord. Et pourquoi tu ne lui as pas dit ça pendant la récréation? Ok, donc tu as jugé utile de te battre. Chen, je suis vraiment pas contente de toi, tu sais. Qu'est-ce que je t'ai toujours dit? La violence n'est pas une réponse. D'accord? Et je ne veux plus jamais recevoir ce genre d'appel de ta maîtresse. Est-ce qu'on est clair là? Je sais qu'en ce moment, c'est pas évident pour toi, d'accord? Je sais qu'à la maison, c'est pas facile. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison de te battre avec tes camarades. Si tu as un problème, tu viens parler avec maman. Tu sais que je suis toujours là pour toi. D'accord? Et si, à l'avenir, tu as ce genre de problème, tu vas voir la maîtresse. J'ai besoin que tu te comportes en grand garçon. D'accord? Tu sais que je t'aime, hein? Et tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi. Devine quoi en plus? J'ai reçu des places pour aller à Europa Park. Oui. Oui. Donc tu vois, je voulais te faire la surprise et je ne veux plus jamais rentrer à la maison et te parler de ce genre de sujet. D'accord? Demain, je viendrai te chercher et on ira. Oui, dès que l'école va finir, je viendrai te chercher, mon chéri. Allez, mange ton chocolat, tu n'as pas terminé. Hey monsieur, tu vois où comme ça? Tu es sérieux là? Retourne d'où tu viens. Donc là, tu es sérieux que tu viens dans ma maison, bourré comme je ne sais quoi, et tu penses que tu vas rentrer ici? Ça ne va pas, non? Ça ne va pas dans ta tête? Il y a un boulon qui a sauté ou quoi? Tu sais quel appel j'ai eu tout à l'heure? J'ai eu un appel de la maîtresse de Sean. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit qu'il s'est battu à l'école. Pourquoi? Parce qu'il regarde les agissements de son frère. Mais toi, tu sers à quoi? Dis-moi, depuis que tu es ici, tu sers à quoi? Tout ce que tu fais, c'est dormir, manger et sortir. Tu crois que j'ai que ça à faire ou quoi? Ça suffit, hein? J'ai assez supporté comme ça. Maintenant, tu vas prendre tes claques et tu vas te dégager d'ici. Parce que je ne veux pas que tu viennes maintenant contaminer mon fils. En plus, tu oses venir chez moi avec cette idiote. Est-ce que j'ai invité quelqu'un ici, moi? J'ai invité quelqu'un. Je ne vais pas me répéter, tu m'entends? Je ne vais pas me répéter. Écoute-moi bien. Si tu veux rester dans cette maison, tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois être un modèle pour ton frère. Tu comprends? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que moi je me batte pour vous et toi tu viens vraiment gaspiller toute l'éducation que je suis en train de donner à Chen? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis vraiment pas d'accord. Tu vas m'arrêter ça tout de suite. Parce que c'est pas normal que je me tue au travail et que toi, tout ce que tu sais faire, ne me mets pas à bout, ne me pousse pas à bout. Parce que là, je commence à péter un câble. Je commence vraiment à péter un câble. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait ici? Je t'ai toujours donné ce que tu veux. Quand tu me demandes de l'argent, maman sort l'argent. Quand tu me demandes la voiture, maman sort la voiture. Est-ce que tu te
que c'est normal que chaque jour je dois m'inquiéter pour savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir de mon fils. Votre père est parti. Je me débrouille chaque jour pour mettre de la nourriture sur la table. Maintenant, ça suffit. Tu ne vas pas me faire avoir l'attention. Tu ne vas pas me faire avoir l'attention. Je pète les câbles ici. Tu crois que c'est facile pour moi? Est-ce que tu crois vraiment que c'est facile?